Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire une maison dans Minecraft. Très très simple, les amis, que vous pouvez faire d'ailleurs en survie. Alors, en espérant qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à bombarder la barre des gems, abonnez-vous, activez la cloche, les amis. Et sans beaucoup tarder, après l'intro, on se retrouve à la construction. Pour commencer les amis, tout d'abord vous allez ouvrir votre inventaire, vous allez prendre des briques, des escaliers en briques, des portes, des vitres, des blocs de roche, des escaliers en pierre, de la pierre, des dalles en pierre et des feuilles de chêne. Voilà, tout simplement. Alors nous allons commencer tout de suite par faire le devant de la maison. Alors vous allez prendre les briques les amis et vous allez en placer 3 blocs l'une par-dessus l'autre. Là vous allez compter un bloc d'espace et vous allez également faire la même chose. Donc vous allez placer 3 blocs l'une par-dessus l'autre. Et là aussi au milieu entre les deux vous allez placer un escalier en briques comme ça à l'envers. Voilà, et vous allez placer la porte de l'intérieur. Voilà. Alors là maintenant les amis on est en train de faire le devant de la maison. Donc là ce que vous allez faire, vous allez maintenant juste à côté placer 1, 2, 3 blocs de briques comme ça. Et sur le dernier bloc vous allez rajouter 2 blocs. Voilà, tout simplement. Vous allez venir sur le côté et vous allez rajouter 1, 2, 3, 4 blocs. Et sur le dernier vous allez placer 2 blocs également. Excellent, très très simple. Alors vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc 3 blocs, 2 blocs sur le dernier. Et sur le côté vous allez placer 1, 2, 3, 4 blocs. Et sur le dernier la même chose, donc 2 blocs comme ça. Voilà, très très simple. Là vous allez venir à l'arrière de la maison les amis. Et là ce que vous allez faire, vous allez prendre les blocs de rush, vous allez décaler 2 blocs vers l'extérieur. Et là vous allez tout simplement faire un mur les amis. Voilà, comme ça, très très simple. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez venir en avant de la maison, vous allez prendre les escaliers en pierre, et là, les amis, vous allez tout simplement en placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc vous devriez avoir 9 escaliers en pierre en avant de la maison, et là, maintenant, vers la droite, vous allez rajouter 2 escaliers comme ça, et vers la gauche, vous allez rajouter 5 escaliers, donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Maintenant, vous allez faire la même chose à l'arrière de la maison. Super, maintenant après que ceci est fait, vous allez rejoindre les deux côtés ensemble. Donc, vous allez tout simplement relier l'arrière de la maison avec le devant. Et là ici vous allez placer des blocs de pierre. Maintenant, après que ceci est fait les amis, vous allez tout simplement venir en avant de la maison. Et là, juste par-dessus la porte les amis, ici, vous allez placer un bloc de briques. Excellent. Et là, vers la gauche, vous allez placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs de briques par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et là, vous allez relier le tout ensemble. Et là par-dessus la base, juste ici, vous allez faire exactement la même chose. Donc vous allez tout simplement rajouter 2 touches par-dessus la première. Maintenant, après que ceci est fait, vous allez prendre les dalles de pierre, vous allez décaler d'un bloc vers l'extérieur, vous allez placer des dalles de pierre tout autour. Et maintenant, ici au milieu, vous allez placer également des dalles de pierre pour fermer le toit de la maison.
Voilà, très très beau. Ça donne une belle image jusqu'à maintenant, les amis. Maintenant, à partir de ce bloc-là, les amis, vous allez compter 5 blocs vers la gauche. Et là, vous allez monter d'un bloc et vous allez enlever 14 blocs de briques. Et là maintenant, les amis, vous allez prendre les vitres et vous allez tout simplement faire les fenêtres de la maison. Maintenant ici en arrière, les amis, nous allons rajouter une autre fenêtre. Donc vous allez enlever 4 roches et vous allez placer des vitres à la place. Donc je sais pas qu'est-ce que vous en dites, les amis, mais personnellement je la trouve très très belle. La maison, elle est très très simple. Évidemment, il nous reste à faire quelques petits détails. Alors maintenant ici, les amis, vous allez prendre des murets. Que vous allez placer sur les coins, juste en dessous des escaliers. Voilà comme ça. Maintenant vous allez prendre les feuilles de chêne et vous allez en placer tout autour de la maison, les amis, pour la décoration extérieure. Ça rend très très beau. Alors voilà, c'est optionnel, à vous de choisir si vous voulez le faire ou non. Personnellement, je vais laisser ça comme ça. Voilà, très très beau honnêtement. Là vous allez prendre ensuite des blocs d'herbe. Vous allez en placer ici sur le côté. Maintenant vous allez prendre des trappes en bois. Et vous allez en placer comme ça sur les côtés des blocs d'herbe. Là, vous allez prendre ensuite de la poudre d'os. Et nous allons placer quelques herbes comme ça par-dessus les blocs. Voilà, franchement, très très beau. D'ailleurs, on peut toujours prendre des tulipes, des fougères ou n'importe quoi, les amis. Alors, vous faites ce que vous voulez en tout cas. C'est juste pour la décoration. Ici vous avez un petit stationnement, voilà, pour une voiture ou quoi que ce soit. Ici vous allez prendre des vitres blanches et vous allez faire un balcon, les amis. Et vous allez enlever 2 blocs ici pour faire une porte que vous allez placer d'ailleurs de l'intérieur comme ça, tout juste comme moi. Et voilà, l'extérieur de la maison est terminé. Alors maintenant, nous allons passer tout de suite à l'intérieur. Maintenant, pour l'intérieur, les amis, vous allez tout simplement ouvrir votre inventaire et vous allez prendre des planches de bouleau. Vous allez également prendre des escaliers en bois de chêne. Vous allez prendre des vitres. Et voilà, les amis. Alors là, vous allez tout simplement rentrer à l'intérieur. Vous allez commencer par enlever les blocs d'herbe et vous allez remplacer ça par des planches de bouleau. Maintenant, après que ceci est fait, nous allons faire un passage pour pouvoir monter en haut. Alors tout simplement, les amis, vous allez compter 1, 2, 3 blocs. Et là, sur le troisième bloc, vous allez placer tout simplement des escaliers vers le haut. Et le passage est fait. Là, vous allez placer ici des vitres pour séparer les deux ensemble. Et voilà, les amis, la maison est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'est très très simple. Elle est quand même assez petite à l'intérieur, ça, on est d'accord. Mais c'est une maison pour la survie. Donc voilà, vous avez de l'espace pour placer tout ce qui est de nécessaire. Si vous avez eu de la difficulté à faire quoi que ce soit, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Je vais évidemment vous aider, les amis, je vais vous répondre. Et voilà, n'hésitez pas à bombarder la barre des j'aime comme d'habitude. Essayons d'atteindre les 200 likes, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, c'est super important. Et si vous voulez faire un don pour la chaîne, ça ferait super plaisir aussi. Mon PayPal sera dans la description de cette vidéo. Et à ça, je vous laisse, les amis, et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Iremi Gaming.